remise des trophées de l'innovation à la soirée de l'éco avec notamment Clermont Auvergne Métropole et son président Olivier Bianchi. Merci d'être avec nous Olivier Bianchi. Vous avez remis justement le trophée développement. Quelle est l'importance pour l'institution que vous représentez d'être là ce soir ? Bonsoir. Mais d'abord parce que l'enjeu essentiel de notre métropole, c'est son développement économique, sa croissance. Ce territoire, pour qu'il puisse peser à la fois à l'ouest de la grande région et aussi au cœur de ce centre de la France, finalement cette capitale du Massif central que nous sommes, elle doit donner les conditions pour que l'écosystème économique puisse créer de la richesse, créer de l'emploi, se développer, que les entreprises puissent venir ici. Et toute la politique que nous menons, c'est une politique qui doit encourager ce travail. Alors venir remettre un trophée ici, c'était symbolique pour dire que c'est notre objectif. Il faut valoriser les start-up justement qui sont dans cette dynamique. Moi, je pense que l'innovation et le développement passent évidemment par les start-up, notamment dans certains secteurs comme le numérique. C'est ce que nous faisons avec le Bivouac. Mais c'est aussi des fois des entreprises industrielles ou des entreprises commerciales qui existent depuis longtemps sur le territoire et qui vont porter, ou qui vont se transformer ou qui vont gagner de nouveaux marchés à l'international. Donc la dimension du développement, elle est diverse et variée et c'est ça qu'on essaye d'accompagner aujourd'hui au sein de notre métropole. Tout à l'heure sur scène, vous avez dit qu'en tant que politique, nous, observateurs, on ne repérait pas forcément comment vous, les politiques précisément, vous étiez dans l'innovation. L'innovation pour les territoires, mais aussi tout simplement dans la manière de faire travailler vos équipes. Oui, je crois qu'il y a dans le monde économique, souvent, et dans le monde politique, on se connaît mal. Et parce qu'on se connaît mal, on ne travaille pas toujours correctement ensemble. Moi, j'ai été celui qui a porté l'idée qu'au fond, nous devions mieux comprendre le monde économique. Mais je dis aussi en retour au monde économique, observez-nous et vous verrez que nous avons plus de points communs. Alors, d'abord, nous manageons des équipes comme les entrepreneurs. Nous avons des projets, nous avons du développement, nous nous posons des questions de l'international, nous avons des produits, nous avons des politiques publiques, c'est ça nos produits. Et donc, on doit innover et puis on doit innover dans le management. Comme beaucoup d'entrepreneurs ici présents, les mêmes problématiques se posent aujourd'hui, j'ai envie de dire, aux entrepreneurs publics que nous sommes. Merci Olivier Bianchi d'avoir été avec nous. Merci.